La mission d'un directeur, c'est de proposer un lieu d'accueil sécurisé et inclusif qui soit accessible à tous les enfants, y compris en situation de handicap. La mission d'un directeur, c'est d'assurer la gestion quotidienne de la structure, que ce soit administrative. La gestion de la comptabilité du centre, la gestion de l'économat, donc tout ce qui concerne les repas, le matériel. De concevoir et de mettre en place avec l'équipe le projet pédagogique de la structure. Accueil de loisirs de jeu, bonjour. Moi, mon but, c'est de veiller à faire en sorte que ce projet-là soit appliqué auprès des équipes et auprès des enfants et auprès des familles. On a un rôle qui est plutôt éducatif, qui est vraiment prépondérant dans notre métier. Donc on recommence. Petit lit maçon n'a pas de maison. De connaître le cadre législatif aussi et de l'appliquer. D'encadrer, d'accompagner, de former l'équipe. Une partie communication, tout ce qui est relation avec les familles, la relation avec les enfants, la relation avec les équipes, le management qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. Et la communication avec les élus et les partenaires avec lesquels on a pu mettre en place notre projet pédagogique. Notre objectif principal, c'est que chaque enfant en fait, arrive à trouver sa place au sein de la structure, en s'épanouissant à travers les loisirs qui sont proposés, en apprenant des choses, en prenant confiance en lui et surtout en devenant autonome. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de nous documenter, de nous former et de nous renouveler dans la proposition des activités qui peuvent être faites. Mon rôle, c'est aussi de veiller à ce que l'équipe encadrante invite, accompagne et même suscite des situations pédagogiques qui favorisent les compétences de l'enfant. Il faut distinguer accueil de loisirs périscolaires, c'est-à-dire les jours où il y a de l'école, des accueils de loisirs extrascolaires, donc c'est plutôt les vacances et les mercredis où il n'y a pas d'école ces jours-là. Le matin périscolaire, on accueille les enfants à partir de 7h15, de façon échelonnée jusqu'à 8h30. Et durant ces temps-là, l'équipe propose un accueil adapté aux besoins et aux envies des enfants. Donc à 8h30, on accompagne les enfants jusqu'aux classes. Une fois par semaine, l'équipe se réunit donc pour une réunion pour évoquer justement tous les sujets internes et propres à l'accueil de loisirs, mais aussi des réunions de suivi avec des partenaires. Ensuite, le soir à 16h10, on va récupérer les enfants dans les classes. On les accompagne donc jusque sur notre structure. On aide les enfants à la prise du goûter. Et ensuite, on peut commencer à mettre les activités en place. Ensuite, les parents peuvent venir chercher les enfants de façon échelonnée jusqu'à 18h30. Par contre, les mercredis et vacances, c'est un fonctionnement différent puisque c'est un accueil à la journée complète. Le premier temps est de 8h à 10h et il consiste à accueillir les familles et plus ou moins gérer les inscriptions potentielles qui peuvent arriver. Ensuite, on est en atelier avec les enfants. Là, on propose des activités donc, qui sont en lien avec le projet pédagogique de la structure. De midi à 13h30, 14h, je suis plutôt sur le temps de restauration avec les enfants, donc j'échange, j'aide au service. S'ensuit les temps calmes, les temps de repos aussi pour les plus petits. Je recommence l'administratif et de la gestion pédagogique. Et puis les activités de l'après-midi et la prise du goûter. Et après, on remet des ateliers en place et les parents peuvent récupérer les enfants de façon échelonnée entre 16h30 et 18h30. Les compétences requises pour être directeur, moi je considère déjà que ce métier, c'est être facilitateur de travail pour l'équipe. Donc ça nécessite un certain nombre de compétences qui sont par exemple l'organisation, le dynamisme et surtout l'écoute de l'équipe, l'écoute des enfants et l'écoute des familles. Pour moi, un directeur de structure, ça doit être une personne bienveillante, disponible et patiente. On doit rédiger des écrits argumentés, on doit savoir gérer un minimum d'outils informatiques et surtout avoir une capacité d'adaptation et de réactivité face à toutes les situations qui peuvent arriver pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la structure. Pour accéder à ce poste, il faut un diplôme, donc soit un diplôme professionnel, donc DUT carrière sociale, ou un BPJEPS. Le troisième diplôme possible, c'est le BAUD qui lui n'est pas un diplôme professionnel mais qui permet de travailler au moins 90 jours par an auprès des enfants sur des accueils de loisirs. En accueil de loisirs, du coup, on accueille des enfants de 3 à 11 ans et on y propose des temps de loisirs éducatifs qui sont adaptés à l'âge, au rythme et aux besoins des enfants.
Et le but, c'est d'une part d'apporter un système de garde auprès des familles. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un gros rôle éducatif qui permet d'apprendre des choses aux enfants.